cours de mon voyage, je vais endurer la chaleur écrasante de la dépression du Danakil, dans le nord de l'Éthiopie. Fréo, on va faire de la glace dans le Danakil. Tu as déjà vu ça? C'est possible? On va voir. Ils ont déjà mangé de la glace? Jamais. Non, on n'en a jamais vu ni mangé. Ça m'étonne pas. Il fait tellement chaud ici que c'est quasiment impossible. Bon, je vais essayer de récupérer la neige carbonique de cet extincteur. Bien sûr, ce n'est pas comestible. Donc je vais faire un double fond pour éviter qu'elle entre en contact avec la crème glacée. Mais elle gardera quand même ses propriétés réfrigérantes. Alors, c'est un simple sac à linge avec une ficelle. On peut aussi utiliser une tête d'oreiller. Il faut juste bien l'attacher au bout du tuyau pour pas qu'il se détache. C'est parti. J'adore. Maintenant, on a de la neige carbonique. C'est très très froid. Il faut faire attention. Ok, Fréo, première étape. C'est de la neige carbonique? Oui, faut faire vite. Tiens-moi ça. C'est une course contre la montre. Je pose un bol en inox sur la neige carbonique. Cela fera office de conducteur pour la réfrigération. Et Fréo va y verser la crème graduellement pendant que je remue. Super, on va arrêter deux secondes. Bon sang, c'est carrément congelé. Il faut poser et retirer, poser et retirer. C'est tellement froid que ça congèle immédiatement au fond. Et la crème au-dessus. C'est pas la méthode la plus efficace, mais... ça marche quand même. J'ai réussi. On a de la glace. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sera vraiment pour goûter, mais c'est de la glace. Prenez une cuillère. Cuillère. Il va falloir faire vite parce que ça va fondre. On met la glace sur le biscuit, comme ça. On ajoute du sel pour faire ressortir le goût du café. Un peu de coulis au chocolat par-dessus. Et voilà, de la glace dans le désert du Danakil. La première glace. Première glace au lait de chamelle dans le Danakil. Mohamed, Ali, à vous l'honneur. Regardez-le. C'est froid, hein? Oui. Bon, très bon. Je vais goûter. Oh, bon sang. Oh, bon sang. On dirait... après 3 jours passés sous une température de 50 degrés, je vous assure, on dirait qu'un ange est descendu du ciel pour nous faire goûter un morceau de paradis. C'est super bon. J'ai jamais mangé une aussi bonne glace. Ils disent que c'est délicieux. Fréo, j'ai réussi? Absolument. Oui? Oui. Super, grande réussite. La petite touche de sel par-dessus, c'est délicieux. Ça équilibre parfaitement le tout. C'est super bon. On sent bien le sel, non? Oui. C'est une expérience que je suis pas prêt d'oublier. Fréo, viens là. J'adore ce gars, je l'adore. C'est une légende. Je suis très content. Mohamed. Merci. Merci. Vous êtes super. Merci. Chef, merci beaucoup.